Zweimal, das ist natürlich schon extrem merkwürdig. Hundertprozentige Lüge. Ist eine echte Gangster-Story. Die Geschichte an sich ist natürlich vollkommen irre. Finden Sie es nicht ungewöhnlich, dass Ihnen zwei so große Geschichten passieren? Überhaupt nicht. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube, destinée à vous parler de films, de séries et de commentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film documentaire allemand que je viens de terminer. Ça s'appelle Big Mac, Braquage et Big Mac. Déjà, on est vendredi 31 mars 2023. Donc, comme je disais, il s'agit de Big Mac, Braquage et Big Mac. C'est un film documentaire allemand avec Donald Stellwag. Donc, film de 2023, la durée c'est 1h30, c'est pour les plus de 13 ans. Et maintenant, voici l'histoire. Après avoir purgé 6 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis, Donald Stellwag devient une star des médias et sa vie prend une drôle de tournure. Donc, je valide quand même parce que c'était intéressant. Donc ce personnage, c'est un Allemand. Un voyou, il est grand, il a une corpulence énorme, mes amis. Il est très grand, il est très gros. Donc, on l'a surnommé en prison, enfin, son copain, parce qu'il est devenu pote avec quelqu'un en prison, qu'il a surnommé Big Mac. Effectivement, c'est pas quelqu'un de, de très gentil. Donc, il a pas beaucoup, il se fait passer pour un innocent, mais en fait, c'est un gros menteur. Et il a été condamné à 6 ans de prison alors qu'il était innocent. Le problème, c'est que quand on est déjà multi-condamné, donc un récidiviste à multiples reprises, puisque en fait il faisait partie d'une bande, de voyous, en fait, qui forçait les gens à s'abonner, à prendre des abonnements. Il trempait dans plusieurs, plusieurs magouilles, on va dire. Il a à son actif, il avait déjà plusieurs délits. Et donc il se droguait, il prenait de la cocaïne, étant donné qu'on l'avait diagnostiqué avec un cancer au cerveau, donc il se disait qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre, et effectivement il est tombé dans la drogue, il est tombé dans la violence, et le jour où il y a eu un braquage dans une ville, un policier a tout de suite pensé à lui, puisqu'il s'est dit ça pouvait être que lui, et quand on l'a convoqué, quand on l'a mené devant des juges, on a fait un procès, il avait des témoins à charge, les témoins de la banque, qui pensaient vraiment que c'était lui à cause de son physique, parce qu'il avait le même physique que la personne qui a vraiment attaqué la banque. Ça, on le découvrira plus tard, c'est-à-dire que quand il a été innocenté, il y a quelqu'un, effectivement, qui a le même physique que lui, et qui a avoué à quelqu'un, à un de ses copains, que c'était lui, en fait, qui avait commis le braquage. Mais il y a un condamné, enfin un innocent qui a été condamné donc à la prison pendant 6 ans. Et cette personne, c'est Donald Stellwag. Donc c'était pas une personne, une personne vraiment innocente. Mais elle était innocente en fait de ce qu'on l'a accusé, parce qu'il y avait, on l'a accusé donc pour ce braquage qu'il n'a pas commis. Donc ça, c'était 90% de son accusation. Il y avait 10% pour des crimes, des délits divers. Donc Big Mac est allé en prison. Quand il a été libéré, on s'est aperçu peu de temps après que en fait il a été innocent, et il a été interviewé dans tous les médias. Et donc il a raconté son histoire en mentant, évidemment, parce qu'il disait qu'il était à l'isolement pendant 6 ans, il n'a vu personne. C'était totalement faux, il était à l'infirmerie. Et en fait, à l'infirmerie, il avait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il voulait. En fait, il mangeait très bien. Il faisait du trafic. En fait, il trafiquait en prison. Il était le chef, en fait, plus ou moins de la prison, parce que il avait à sa botte des gardiens, il avait à sa botte des détenus. Et c'était, en fait, il est devenu rapidement le chef de gang de la prison. Donc, le fait que dire dans les médias qu'il était à l'isolement pendant 6 ans. Il pouvait parler à personne, mais tout ça, c'était totalement faux. Donc, Big Mac se faisait passer, racontait son histoire, en fait. Il se faisait passer pour quelqu'un de complètement innocent. Même s'il a été innocent de ce crime-là, bon, en fait, il avait commis d'autres crimes.
Et c'est quelqu'un, c'est un personnage particulier, puisque de toute façon, effectivement, il a été condamné à 6 ans de prison pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Et plus tard, il a décidé d'ailleurs de se lancer dans le braquage d'un fourgon, même si c'est pas lui qui l'a commis. En fait, il a donné les informations à un gang, des Kurdes, pour qu'ils commettent ce délit à sa place, quoi. Et il s'est fait, il a quand même, il est quand même, comment dire, arrivé à par le médecin-chef d'une prison à se faire, comment dire, se faire juger, enfin pas juger, mais se faire décerner un certificat comme quoi il était inapte à la prison. Donc avec ce certificat comme quoi médical, en fait, d'un grand médecin de la prison, comme quoi il est inapte à la prison, ça veut dire que on peut pas le mettre en prison, on peut pas le remettre en prison. Et ce médecin militaire, enfin ce médecin de prison, en fait, a décidé de lui donner ça, déjà parce qu'il est malade, premièrement, et aussi parce qu'il a fait 6 ans de prison pour rien. Donc il a été en 6 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Donc maintenant, il a un certificat comme quoi il est inapte à la prison, et même s'il commet ce qu'il veut, enfin, il peut faire ce qu'il veut, il ira jamais en prison. C'est vrai qu'il est gravement malade, et même aujourd'hui, il peut plus bouger, quoi. Il reste dans son lit, quelqu'un s'occupe de lui. Mais grâce au téléphone, il magouille toujours. Voilà. Il peut toujours magouiller. Le dernier, butin, on n'a jamais retrouvé. C'était de l'or, des bijoux en or. Et il a été le commanditaire, en fait, d'un gang kurde qui a effectivement pris de l'or, la cargaison d'une fourgonnette de bijoux en or. On ne sait pas où est passé l'or. Donald évidemment dit que c'est pas lui. Donald Selvac dit que c'est pas lui. Dit que il a pas cet or là. Mais il y a des chances pour que, en tout cas, il y en ait une partie. Donc voilà, mes amis, c'est Big Mac, c'est vraiment un personnage spécial, très spécial. Et il faut pas croire tout ce qu'il a dit devant les médias. C'est pas quelqu'un de d'honnête du tout. Même s'il a fait 6 ans de prison alors qu'il était innocent, il veut se raconter l'histoire, il raconte l'histoire qu'il veut, mais en fait, voilà. En tout cas, c'est un documentaire allemand que j'ai regardé, donc du début à la fin. Est-ce que je le conseille à moitié? Je le conseille à moitié, mes amis, parce que même si ça m'a intéressé, je pense que ça vous intéressera pas forcément. Donc voilà. Ça fait partie du personnage de Big Mac, un personnage atypique, un personnage qui n'est pas du tout quelqu'un de gentil, même s'il se fait passer pour tel, en fait. Et il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mes amis. C'est un documentaire spécial sur la vie de Donald Selvac, donc un personnage atypique, comme j'ai dit, qui mérite qu'on s'intéresse à sa vie, à son histoire. C'est ce que j'ai fait. Et ça sera tout pour cette vidéo, et peut-être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.